Donc Nicolas, tu as fait le Cayman, 5 tours, ça s'est bien passé. Impeccable. Ok. Et bah écoute, là, Audi R8, tu vas voir, c'est différent, beaucoup plus de chevaux. Hein. Là, on a 4 roues motrices. Là, voilà, les palettes au volant. Donc palette de droite pour monter, palette de gauche pour descendre. Okay. Voilà. On tire vers soi, les palettes tournent avec le volant, important de garder les manœuvres à écart pour ne pas les perdre. Si c'est le cas, tu prends ton temps, même si tu confonds avec les commandos, ça arrive souvent. Prends ton temps de faire les choses, projette ton regard sur le volant pour revenir chercher la palette. Mais il faut prendre son temps, faut pas paniquer, sinon tu vas précipiter les choses et du coup tu vas perdre du temps. Le pied gauche, donc bien sur le calpied pour avoir un bon maintien. Le pied droit maintenant sur la pédale de frein tout de suite, tu restes appuyé et je te mets en première, ouais, ça va passer. Tu vas tout braquer à gauche, alors la ceinture c'est bon. Si tu es bien installé, on peut y aller. Il suffit d'accélérer. Tu verras tes rapports dans le petit cadran en bas, hein, vas-y. Tranquillement, voilà, parfait, avec tout le sens. Allez, on dirige. La 2. Accélère, on sort, il n'y a pas de voiture. Allez, on va chercher la palette pour mettre la 3. Et on va aller chercher les cônes. Donc, comme tout à l'heure, point de braquage, point de corde et point de sortie. Essaye de te rapprocher le plus possible de ces cônes. Et pour aller les chercher tôt, il faut projeter ton regard très loin. Plonge à l'intérieur à la corde. Et accélère en débraquant sur le point de sortie de gaz. Un peu de frein, on lâche filet de gaz. On va chercher le cône à l'intérieur, filet de gaz toujours. Corriger la trajectoire et gaz. 4. Frein. 3. Freinage constant 2. Point de braquage. Lâche, plonge à l'intérieur, corde. Commence à accélérer. Et gaz. 3. Reste en 3, accélère, frein, corde, lâche les freins, gaz. Voilà, donc progressivement, on essaye d'être fluide hein, sur la reprise des gaz. On va chercher le cône à droite, plonge à l'intérieur, reprise des gaz, vas-y, de plus en plus en débraquant. Voilà. Un peu de frein, corde tout de suite, accélérer de gaz maintenant, vas-y. Frein, plonge à l'intérieur, gaz à fond maintenant. Là, tu peux te permettre d'accélérer un peu plus fort puisque on est en 3. Un peu de frein et on lâche filet de gaz. On rentre avec un peu de vitesse. Place l'auto à la corde, corrige la trajectoire pour aller chercher le cône vert et accélère. On lâche les freins, corde, commence à accélérer. Vas-y. Et gaz, on coupe la gauche, gaz à fond. La 4. Frein fort, 3, garde les freins 2, le point de braquage et on va chercher le cône vert à l'intérieur. Allez, braque un peu plus rapidement pour y aller, débraque et gaz. La 3, frein, point de braquage, lâche les freins corde et accélère maintenant. On va chercher le cône tout en haut à droite, garde du frein, braque tout à l'intérieur, lâche les freins filet de gaz. Débraque à droite et accélère. Parfait ça. Frein, corde. Frein fort. Braque tout à l'intérieur et gaz à fond maintenant. Frein. Le filet de gaz. À la corde. C'est un peu tôt. Et gaz. C'est pas bien placé au point de corde, donc le cône vert. Si t'es trop loin de lui, tu peux pas accélérer. Sinon, tu vas te retrouver tout de suite hors trajectoire. Accélère maintenant. Frein fort. 3, 2, point de braquage. Chercher le cône vert à l'intérieur. Débraque tout de suite et accélère. Là, tu peux y aller. Frein. Corde. À droite, monte très haut ici, mets du volant à la corde maintenant, mets du volant, débraque, accélère sur ton point de sortie, gaz à fond, frein, corde, mets du volant pour aller à la corde et accélère, là t'es bien, nickel, c'est dommage si t'as retiré un peu de volant, frein, braque tout de suite à l'intérieur et accélère à fond. Un peu de frein, le filet de gaz, va chercher le cône à l'intérieur, mets du volant, encore, et gaz, un peu de frein,
patience, corrige la trajectoire et accélère. Frein fort, très fort. 3, 2, le point de braquage, corde. Débraque. 3. Frein fort. Corde, plonge à l'intérieur. Et accélère. Allez, accompagne les freins, garde du frein, le cône à droite, lâche les freins, plonge à l'intérieur, mets du volant. Et là, tu es bien placé, accélère sur ton point de sortie, gaz à fond. Super. Frein, corde, mets du volant. Et accélère maintenant. Freine fort. Braque tout maintenant. Gaz à fond maintenant. Frein. Et filet de gaz. Patience. Plus de volant maintenant à la corde. Sinon, moi, je vais t'accélérer, gaz. Patience, corrige bien et gaz. Frein fort. 3, garde les freins. Corde tout de suite. Attends, on accélère. Débraque, gaz. 3. Frein. Corde. Et accélère. Les freins, va chercher le cône à droite tout en haut, mets du volant, lâche les freins et accélère maintenant. Frein fort, corde, mets du volant encore et on rentre à gauche dans les stands. Super. Alors la R8, oh là là, c'est pas pareil que le Clément. C'est pas pareil, c'est différent. Super. C'est vrai qu'il y a quand même plus de sensation avec celle-là. Allez, tranquillement, on se met derrière le caïman justement. Hop. Plus de volant pour y aller. Arrêtez, stop maintenant. Génial. Et bah écoute, super. Très bien, t'allais bien chercher les cônes, parfait. N'hésite pas à braquer un peu plus vite, hein, parce que si tu braques tranquillement, t'as pas le temps d'aller à ton point de corde. Donc faut pas hésiter à braquer franchement quand tu arrives sur ton point de braquage pour aller chercher ton point de corde. D'accord. Merci à toi. Très bien, bah merci.